Salut à tous. Voilà, cette vidéo, c'est pour vous parler du permis d'études petite enfance différent de la formation en ligne petite enfance dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Voilà, la formation en ligne petite enfance, le voyage, vous pouvez voyager soit avec un permis de travail pour directement travailler dans une garderie ou encore vous voyager pour compléter votre formation et après postuler dans les écoles. Sauf que si une école veut vous recruter, vous serez obligé de sortir pour pouvoir faire la demande de permis. Et c'est toujours bien, donc ça va dépendre de l'option que chacun va choisir. Maintenant, ceci c'est le permis d'études. L'autre formation là, c'est le niveau BPC, probatoire, bac, il n'y a pas de problème. Par contre, celle-ci, c'est le niveau baccalauréat. C'est la première chose là-bas qu'il faut avoir. Très important, il faut avoir le baccalauréat. Deuxièmement, maintenant, il faut savoir que c'est une formation qui se fait sur 4 semestres, 3 semestres de cours et 1 semestre de stage. C'est une formation de 1200 heures, ce n'est pas 1800, c'est moins de 1800. Mais la bonne nouvelle, c'est que le quatrième semestre, c'est un stage de 3 mois. Et après votre stage, croyez-moi, vous êtes retenu presque automatiquement par l'employeur parce qu'il s'agit d'un domaine très très en demande. Et parfois même quand les étudiants arrivent, parce que quand vous allez avoir votre permis d'études, vous aurez le droit de travailler 24 heures sur le sol du Canada. Et lorsque vous arrivez, une semaine après, vous pouvez déjà commencer à travailler dans une garderie. Donc ça fait que après 1 an, vous êtes déjà habitué à cette garderie-là et l'employeur veut seulement vous retenir. Donc, c'est ça, c'est ce schéma-là qu'on voit assez souvent. Donc, c'est pour vous dire que avec cette formation, si vous désirez, voilà, obtenir un contrat après, c'est très, très possible. Et les chances sont même tellement, tellement élevées. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que l'école avec laquelle j'ai le partenariat m'a fait comprendre qu'ils ont une session en avril également, avant septembre. C'est rare de voir ça. Assez souvent, c'est septembre-janvier. Donc, après janvier, tu es obligé d'attendre septembre. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils ont avril. Vous voyagez vers février, mars. N'est-ce pas merveilleux? Toutes les personnes qui disaient que septembre est trop loin là. Voici donc la solution pour vous. Parce que je vous ai dit, en 2025, si le Canada, c'est ton combat, il faut qu'en 2025, tu sois au Canada ou alors que ta procédure soit déjà sur une bonne voie pour le Canada. Parce qu'on ne connaît pas ce que 2026 nous réserve. On parle d'un gel. Et peut-être qu'ils vont même faire ça. Ils vont même précipiter ça comme ils sont en train de précipiter les choses. Donc, levez-vous et bousculez. L'autre bonne nouvelle, c'est que pour cette formation, c'est encore l'une des rares formations où tu n'auras pas à payer la scolarité avant l'obtention de l'admission. Parce que toutes mes formations du Nouveau-Brunswick là-bas, j'ai cherché, j'ai fouillé. Toutes les écoles demandent de payer la scolarité avant d'obtenir l'admission. Donc, cette école, c'est rare. Donc, vous faites juste les démarches jusqu'à l'obtention du visa. C'est quand vous obtenez le visa que vous payez le premier semestre. Voilà, c'est moins stressant en fait. C'est moins stressant. Ça fait que tu ne dépenses pas beaucoup. Maintenant, quand tu as le visa, bon, voilà, tu as eu le visa, tu peux maintenant sortir l'argent. Donc, c'est ça l'autre gros avantage de cette formation. Un autre gros avantage de cette formation, pour ceux qui vont venir pour avril, il faut savoir que avril, c'est la meilleure période au Canada. C'est l'été. C'est-à-dire que quand tu arrives en avril, tu peux bousculer pour travailler même. Même si ce n'est pas dans la petite enfance que tu as envie de faire, si tu ne veux pas faire tes jobs dans une garderie, tu peux même faire dans les résidences n'importe où avec des bons salaires. C'est une période où il fait beau temps, tout le monde peut sortir. Alors qu'en septembre, en janvier, là, il faut d'abord s'accommoder même au froid et tout et tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est encore très bien, c'est que quand vous faites cette formation, quand vous venez en avril, vous avez une pause automatiquement. Vous avez une pause au mois de juin. Parce que ici, là, en juin, c'est les congés. Je pense que c'est vers mi-juin comme ça. Là, vous avez les congés jusqu'en fin août. C'est un bon 6 semaines, quelque chose comme ça, ou 2 mois. Tu as tes congés propres.
propre. Et pendant ces congés, vous savez quoi? L'étudiant peut travailler 40 heures. Pendant les congés, l'étudiant au Canada a le droit de travailler 40 heures. Le pointage de ça veut dire que le premier semestre, vous fréquentez juste 2 mois et demi. Donc, on accélère telle sorte que les 2 mois et demi, là, vous finissez la première session. Après ça, vous avez vos 40 heures de travail, vous avez vos congés et vous pointez donc au maximum pendant cette période en attendant la prochaine session. Je vais encore vous annoncer une merveilleuse nouvelle. La merveilleuse chose encore par rapport à cette formation, c'est qu'à la fin de cette formation, vous allez soutenir. Vous avez compris. Vous allez graduer. Et lors de votre graduation, vous avez la possibilité d'inviter jusqu'à 5 membres de vos familles. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Oui, parce que tu es quand même en train de faire ta sortie dans une école. Tu ne peux pas faire la sortie seule. Le gouvernement du Canada sait que tu veux aussi que les personnes de ta famille viennent à ta soutenance. Ce sera l'occasion pour toi d'inviter ta petite soeur, d'inviter ton petit frère. Tu peux inviter 5 personnes. Nous, on fait ta procédure et on lance 3 mois avant. Ils sont au Canada. Même s'ils viennent au truc, à la soutenance et ils rentrent, c'est petit. S'ils viennent et après, ils font comment, on ne sait pas. On ne connaît pas ce que les lois vont donner demain. On ne connaît pas quelle porte va s'ouvrir quand ils vont venir. Donc, vraiment, n'en parlons pas donc pour l'intégration avec cette formation. L'avenir de la petite enfance au Canada est prometteur parce que la demande, comme je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, est tellement grande. Les femmes vont toujours accoucher, les immigrants vont toujours venir avec les enfants. Ici, parfois, pour avoir la place dans une garderie, ce n'est pas évident. On supplie même les gens de venir travailler dans les garderies parce que c'est surtout dans les endroits reculés, alors c'est grave seulement. Et l'école avec laquelle j'ai le partenariat te trouve le stage après ta formation. Tu as compris ça? Donc, quand vous êtes déjà au 3e semestre et eux-mêmes, ils commencent à envoyer les lettres parce qu'ils ont les partenariats avec les écoles, ils commencent à envoyer les lettres dans les écoles. Et au 4e semestre, tu pars seulement faire ton stage. Et là où tu fais ton stage, tu demeures là-bas une seule fois parce que c'est pas facile. L'employeur va te laisser partir comment? Tu restes seulement là-bas une seule fois et puis 2 ans après, tu peux appliquer pour la résidence permanente, fais venir ta famille. Vraiment, j'ai trop parlé. Que la personne qui a compris comprenne que c'est ça la formation de l'heure. C'est cette formation que tu dois faire. La scolarité par semestre, c'est environ 5 000 dollars. Voilà, dans les 2 400 000 par là, par semestre. Mais c'est pas beau. Vous savez ici que par semestre, parfois, un semestre, parfois, il y a les écoles, les cégeps, là, c'est les 8 000, c'est les 10 000 dollars pour les étrangers. Mais avec tout ce que j'ai expliqué là, après, quand tu as ton visa, tu sors juste 2 400 ou 500. Et les autres semestres, tu travailles pour payer. Quand tu viens en avril, là, n'aie aucun doute, ton agent va payer les prochains semestres. Ton agent payera les prochains semestres, je te le garantis. Tu apprêtes seulement l'argent du premier semestre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, vraiment, vous avez dit, Tata Christelle, cherche-nous les réseaux. Ce n'est qu'à Réseau Canada qu'on peut avoir ça. Je vous dis, j'ai le partenariat avec l'école. Donc, vous savez en combien de temps vous allez avoir vos admissions? 3 jours. 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Réseau Canada, en fait. Donc, quand vous faites votre demande vos démarches d'admission, j'ai la priorité avec cette école-là. Et quelques jours après, on vous a délivré les lettres d'admission. En une semaine, avec eux, nous obtenons les CAQ. Et pour votre information, actuellement, Immigration Canada vérifie les lettres d'admission. Si la lettre d'admission ne vient pas d'un établissement d'enseignement désigné, on ferme ton dossier une seule fois. L'école m'a donné déjà la liste des personnes que Immigration Canada leur a écrit pour leur demander que est-ce que la personne, si c'est vous qui avez donné la lettre d'admission, s'ils ne disent pas oui, Immigration Canada ferme le dossier parce que c'est une école reconnue au Canada, un établissement d'enseignement désigné. Et comment on s'est rendu compte qu'il y avait déjà tellement de fausses admissions? Immigration Canada vérifie maintenant. Donc, c'est vraiment pour vous dire que
actuellement, faites attention lorsque vous partez prendre les admissions n'importe où. Si tu prends une admission qui n'est pas bonne, on va seulement fermer. Tu auras le refus avant le temps, en fait. Avant le temps. Donc, ça, c'était vraiment pour cette formation de petite enfance-là. Maintenant, est-ce que si tu n'es pas dans le domaine de petite enfance, tu peux faire ça? Oui, tout le monde peut faire ça. Ça ne demande pas l'expérience professionnelle. Ça demande juste que tu aies ton baccalauréat. Maintenant, si tu as eu ton baccalauréat depuis des années, il faut juste qu'entre-temps, que tu aies de l'expérience professionnelle. En fait, en inbox, on va vous expliquer comment ça se passe pour que votre dossier passe. Le dernier élément, c'est la preuve de fond. Je ne vous ai pas parlé de la preuve de fond. La preuve de fond, c'est la preuve de fond normale qu'il faut donner en une année pour les études au Canada. C'est 20 000 $, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est 20 000 $ que vous devez prévoir. Donc, c'est une preuve de fond dans les 7 à 8 millions que vous devez avoir dans le compte. Voilà, ça ne doit pas être quelque chose de très compliqué avec tous les avantages que ça va vous donner. Donc, ça, c'est vraiment... Vous devez en profiter pour bénéficier de cette formation. Et le mois d'avril est ouvert pour vous. Avril, c'est pour voyager vers février, comme ça. Février, mars. Donc, en ce qui concerne les honoraires, vous savez que je ne prends pas les sommes exorbitantes aux gens. Vous le savez. Je vous ai parlé ici des honoraires à hauteur même de 250 000 ouvertures du dossier et tout et tout. Voilà, donc ici, ce n'est pas 250 000, mais rassurez-vous, ce n'est pas grand-chose. On paye les démarches d'admission, on paye les honoraires du consultant parce que votre dossier est soumis par un consultant réglementé en immigration. Tous nos candidats reçoivent un formulaire de mandat. Voilà, le mandat qui vous dit que vous êtes représenté par un consultant en immigration. Et je suis sûre que certains partent vérifier si le consultant-là est vraiment réglementé et... La bouche se ferme parce que effectivement c'est un consultant qui est réglementé et notre entreprise est une entreprise reconnue au Canada. Vous pouvez taper Christelle aide aux immigrants en ligne. Donc quand vous venez chez nous, vous êtes tranquille en termes de sécurité, vous dormez tranquille. Donc voilà, j'ai trop parlé aujourd'hui parce que parfois vous posez trop de questions. Venez maintenant ouvrez le dossier, ne venez plus poser les questions parce que la vidéo, ça a été l'une de mes plus longues vidéos. Venez ouvrir le dossier. Si vous êtes au Canada, vous voulez faire la procédure des membres de vos familles, je vous encourage à le faire également. Les honoraires, on va vous donner le coup des honoraires en inbox, donc pas dans cette vidéo, mais ne vous dérangez pas. Ce sera à votre niveau parce que je connais votre niveau. Disons-nous à la prochaine pour une autre vidéo très importante. Merci.